On est carrément en route pour Lyon. On est enfin arrivé. Hello, on est bien arrivé à Lyon. La Terrence qui va sortir parce que c'est lui qui nous héberge, on a beaucoup de chance. Et du coup, il va arriver et ça va être cool. Demain, meeting national de l'Est lyonnais. Et on va essayer d'aller chercher une grosse perf sur 3000 mètres steep. En tout cas, c'est l'objectif. Et let's go! Le mec est là! Mec, ça tape gros festival là! Oh, le truc dans l'œil! Ça y est, on est en mode veille de course. On arrive dans un parc, il y a un festival, je sais pas quoi. On est bien. Toi, tu sens comment tes jambes pour demain là? Ah, nickel! Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est des saucissons les miennes. Sur le steep, ça va parler chinois un peu là. Oh là là! T'es mal à veine. T'es veineux toi ou pas? Non, ça c'est moi. Attends. C'est vrai que ça là. Ça, c'est la couche juste avant. Il était trop collé à moi, c'est que t'étais derrière moi, t'as pris ma pointe. Chat. Let's go! On a mangé tranquille chez Delarte. Et là, on fait une petite balade digestive avant de retourner à l'appart, aller se reposer un petit peu, se laver, tout ça. Avec Anto. Mec, on est carrément installé. Demain, on se retrouve pour le meeting. Je vous filme ça. Bonne nuit. Ciao. C'est le réveil dans la villa. C'est dur. En plus, lui, là. Il a été somnambule cette nuit, il m'a fait des folies, il m'a raconté des trucs, je comprenais rien. Je sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'on est en pleine digestion depuis trop longtemps. De toute façon, on est en mode récup au max, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de mieux? Là, j'ai les jambes en l'air, ça fait la récup. Je me masse, ça fait la récup. Toi, tu te masses, ça fait la récup. Et Anto, je sais pas s'il fait. Il est cadreur aujourd'hui. C'est comme ça la vie. Ça y est, mama, on arrive. Le stade est juste derrière, on vient de se garer. Avec Anthony qui est là. Terence qui a allé chercher son dossard déjà parce qu'il court avant nous. Toujours avec la petite boisson, top for running, on est là. Il fait un peu chaud, mais bon, nous on court à... Enfin, moi je cours à 18h45, 19h, donc dans un petit peu de temps. Et voilà quoi, je vous fais suivre ça, j'essaie de faire quelques images et puis je vous montre tout ça. Hein. C'est parti, à tout à l'heure. L'échauffement est terminé, petit footing un quart d'heure, 20 minutes, il fait un petit peu chaud. Et après des assouplissements, un petit peu de gamme et tout ça, et puis let's go, ça va partir. Mais en fait, mal au ventre du rythme quoi. Pas quelque chose que j'ai mal mangé ou un truc comme ça. Vraiment, le rythme était. J'étais étouffé, j'arrivais pas. T'as pas réussi à accrocher devant là? Mais en fait, à chaque fois, je voulais essayer d'accrocher. On passait la barrière à deux et je tapais quelqu'un. Bon, je vous reprends, on a appris ma course. Ce que je disais juste avant, quand la vidéo a coupé, c'est que en fait. Je voyais que j'avais pas beaucoup de technique par rapport aux autres. Dès que j'étais collé au groupe, en fait, je piétinais vachement avant les obstacles et tout, parce qu'avec la densité, en fait, on faisait que se toucher. Et franchement, c'est compliqué quand on fait pas ce type de base. Faut vraiment, vraiment se concentrer, vraiment. Et en fait, j'avais beau faire ce que je voulais, j'étais cramé, j'arrivais pas à aller plus vite. Et en fait, il y en a un qui m'a dit avant la course que lui, sur son 1005, il avait été asphyxié. Et en fait, pareil, asphyxié de ouf. L'impression de courir en altitude. Enfin, on n'est peut-être pas à ce point-là, mais vraiment, ça s'en rapprochait, quoi. C'était,
C'était vraiment particulier. C'est pas grave, hein. On viendra plus fort. Oh mon gars, le finish de bâtard, c'est quoi ça? Tu nous as fait une folie. Je me suis pris dans la tête. Faut te prendre dans la tête. C'est ça, mon gars. Rentrer 3:46, je crois, c'est ça? À peu près, hein, t'es vers là, tu fais un finish incroyable. Ça va, c'est une bonne rentrée. Quel on va essayer de faire moins de 3:40 d'ici la fin de la saison. Let's go. Mais je sens, j'ai les jambes là. Ça va le faire, mon gars. Déjà. Bien joué. Merci, chef. On va aller voir Mousse. Il va encourager Alice. On va voir, ça va être concentré de ouf. Oh là, Louis, ça va, allez. Tu vas les ramasser, allez. Ramasse-les, allez. Yes, normalement un bon chrono là. Allez, Momo. Allez, c'est bien. Allez, Momo, continue. Allez. Et alors, t'en penses quoi de la course de Momo? Putain, c'est bien, j'espère qu'il va gagner là. Là, pour l'instant, il est chaud là. Allez. Bon alors, quels sont les ressentis de la course? Écoute, super ressenti, super course, super bien emmené, super beau plateau. Avec un tout petit regret, c'est que je me suis un peu laissé enfermer dans le dernier 200, parce que je pensais que ça allait s'ouvrir à la corde, mais bon, les petites erreurs du métier. C'est pas grave, ça arrive. Ouais, le chrono, il descend, tant qu'il descend, on passe à autre chose. Next. Voilà, c'est bon, next c'est ça, exactement. Comment tu te sens avant ce 5000? Ah, je me sens chaud. Enfin, j'ai chaud. T'as chaud? Ah ouais. J'ai très chaud. Et putain, pourtant, il est un peu plus tard, là. Ouais, franchement, c'est vraiment... dur de respirer, t'avais raison. On verra bien, en vrai. On est là pour s'amuser, de toute façon. On n'est pas là pour rien, il y a toujours quelque chose à prendre. Exactement. Même le Kenya, c'est pas aussi dur. Non, ouais, mec, horrible. Rien du tout, zéro. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Allez, mon gars, c'est pour toi. Tu restes placé, tu suis, ça va le faire. Hein. Allez Anto, c'est bien. Allez, allez. Reste relâché, t'es très bien. Allez, allez, allez. Anto, t'es bien, reste au contact. Allez, 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 allez. Pas plus loin que ça, allez. Une 10, relance, allez, c'est bien. C'est bien, mais ton rythme, allez, 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 allez. Allez Anto, 200 mètres, allez, allez. Tu t'arraches la gueule, allez Anto, allez, allez. Va chercher la fond, fond. Anto qui finit premier. De son 5000, il fait un énorme chrono, je crois. J'ai pas le chrono à l'arrivée, mais je sais qu'il a relancé à fond. J'attends juste qu'il vienne là. Mais quand je suis arrivé, le chrono était à 15-15, il était déjà arrivé depuis 15 secondes. Donc vas-y, il est au moins sous les 15, enfin, j'espère. On va voir ça tout de suite. M'a pas le mec chaud. Oh mec, t'es un monstre. Tu la vois ça, mon gars. Putain. 14:51 alors, tu penses? J'ai loupé le bon wagon, après j'ai chassé toute la course. Bon, ça va pas. J'ai 5 secondes de trop près limite. Donc ça fait 15. Ça fait du bien alors. Ça fait du bien. Un gros RP, dernier 1000 en solitaire. Ouais. Putain. Mais je me suis servi des mecs pendant 3 km, 400. Et après, à 4 tours de l'arrivée, je me dis, faut que j'aille tout seul pour le moins de 15. Je suis parti tout seul, ça a déroulé. J'ai pas eu de sensation de fatigue. Et c'est parti quoi. 14:50 environ. Nouveau record. T'as ouais, en plus c'est propre. Pour les France. Ouais, c'est vraiment propre. En plus sa course, il est toujours placé. Jamais un problème. T'as l'impression qu'il était vraiment en contrôle tout le temps. Franchement, on est refait, c'est cool. C'est une fin de meeting. On se barre, c'est fini. Un RP bon. Pour monsieur. Moi pas de RP, mais c'est pas grave. C'était une bonne soirée. Il est minuit et quelques. Ciao. Ouais.